بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نحن نصوم او 8e حديث. Il arrive au 20 mais compliqué. J'essaie d'arriver au moins 15 inchallah. Au moins le hadith 15. Inchallah. 15, ça serait bien. بسم الله. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. Donc là, nous sommes dans le 8e hadith. Al-hadith al-thamin, hadith Ibn Omar. Ça, c'est le 2e hadith de Ibn Omar dans Al-Arba'in al-Nawawiyya. Donc le premier hadith, c'était le hadith numéro 3. Bunya al-Islam ala khams, shahadatan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, les 5 piliers de l'islam. Et là, Ibn Omar, il rapporte ce 2e hadith concernant le caractère sacré du musulman. Concernant le caractère sacré du musulman. Là, le Nabi sallam, "Omirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa yuqimu as-salat wa yu'tu az-zakat." Donc là, le prophète sallam dit, il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah, et que le messager, que Mohammed est le messager d'Allah. Et qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ. Donc s'ils font cela, أَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. C'est-à-dire leurs biens et leurs sang seront préservés, sauf إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ. C'est-à-dire, s'ils ne transgressent, non, c'est ce hadith-là. S'ils exécutent, ils seront à mon égard garantis quant à leur personne et à leur richesse, à moins qu'ils ne transgressent ouvertement les lois de l'islam, mais Allah réglera le compte en fonction de leur intention. Donc ce hadith qui a été rapporté par Ibn Omar, Abu Bakr al-Siddiq ne connaissait pas ce hadith-là. Comme ils ont dit, أئمة الحديث للسرن دي الحديث donc ce hadith c'est un pilier dans la préservation des biens et du sang et de l'honneur du musulman. Et là, le fait que le prophète sallam il ait cité le hadith, c'est-à-dire que lorsque tu accomplis ce hadith là prouve que l'entrée dans l'islam se fait par la double attestation. Ensuite, il a dit As-salat wa zakat. Donc certains, comme vous le savez, pour rentrer dans l'islam, il faut la double attestation Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah. Si tu attestes uniquement qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, sans l'attestation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cela ne te fera pas rentrer dans l'islam. Et si tu attestes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, mais tu n'attestes pas qu'il n'y a pas de divinité adorée, tu ne rentreras pas dans l'islam. Comme la règle, la première règle que nous avons vue dans Al-Qawaid al-Arba'a. Anna Quraysh, Kuffar Quraysh, Muqirruna bi Tawhid al-Rububiyya. Wa lam yudkhilhum dhalika fi l'islam. Bal qatalahum an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Les mécréants, les polythéistes qui étaient à Mecca, les Quraishites, qui ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'ont chassé de Mecca, croyaient en l'unicité de la Seigneurie. Lorsque tu les questionnes, qui est-ce qui a créé les cieux et la terre, ils te diront, c'est Allah. Et lorsque tu les questionnes, qui est-ce qui les a créés, ils te diront, c'est Allah. Mais, pour autant, cela ne les a pas fait entrer dans l'islam. Pourquoi? Car, ils n'adoraient pas Allah subhanahu wa ta'ala. Ils lui associaient d'autres divinités. Ils n'avaient pas accepté le message de l'islam. Ils n'avaient pas accepté le message du Coran.
le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, seulement, cela ne suffit pas à te faire entrer dans l'islam. L'iqrar bi tawhid al-rububiyya, comme nous l'avons maintes fois vu dans nos cours, yastalzim al-iqrar bi tawhid al-ubudiyya wal-amalu bihi ou bi tawhid al-ibada. Le fait d'acquiescer, d'affirmer qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée, cela implique, c'est la conséquence d'avoir cru en tawhid de l'unicité. Tu ne peux pas dire que Allah, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Tu crois en l'existence d'Allah, mais tu ne l'adores pas. Si tu crois qu'Allah t'a créé et celui qui subvient à ta subsistance, subvient à ta subsistance, tu dois forcément croire que celui que tu dois adorer. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Donc c'est toi que nous adorons et c'est à toi que nous demandons de l'aide. Donc l'un ne va pas l'autre, sans l'autre. Tawhid al-uluhiyya ou tawhid التوحيد ينقسم عفوا الى ثلاثه اقسام توحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. Tu dois mettre en pratique ces trois types d'unicité. Si tu en mets un seul sans les autres, cela ne te fera pas rentrer dans l'islam. Et tu ne peux pas, par exemple, dire je témoigne uniquement au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais je ne témoigne pas ou je n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul sallallahu alayhi wa sallam wa uli al-amri minkum. Donc adorez, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous, c'est-à-dire les gouverneurs et les savants. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Celui qui m'obéit a certes obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man 'asani faqad 'asa Allah. Celui qui me désobéit a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc témoigner uniquement avec la langue, cela ne suffit pas. Il faut également témoigner avec son cœur. Comme nous l'avons vu, les sept conditions de la ilaha illallah. Minha, al-shahadatin labud min al-nutq bil-lisan wa li'tiqad bil-qalb. C'est-à-dire, c'est le fait d'avoir la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'aimer cette parole-là, d'être assujetti à cette parole-là, d'accepter cette parole, d'y croire avec véracité et de rejeter tout ce qui est adorer en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu dois également témoigner avec ton cœur concernant cette double attestation. Et ce hadith-là, c'est une preuve que certains compagnons connaissent des hadiths et d'autres ne les connaissent pas. Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu avait combattu ceux qui délaissaient la prière et la zakat, car ils n'avaient pas connaissance de ce hadith. Ils ne connaissaient pas ce hadith, pourtant c'était la personne la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, ce hadith a été rapporté par Ibn Omar. Mais Abu Bakr al-Siddiq ne le connaissait pas, puisque lui avait combattu ceux qui délaissaient la prière et ceux qui délaissaient az-zakat. Et Abu Bakr al-Siddiq, il avait juré, je ne cesserai de combattre ceux qui donnaient la zakat au prophète sallallahu alayhi wa sallam et se sont abstenus de la faire jusqu'à qu'il s'en acquitte. Donc ensuite, il parle de la as-salat. Donc cela montre que ce hadith, c'est une preuve que faire la double attestation, mais qu'ensuite tu n'accomplis pas la prière, tu ne t'acquittes pas de la zakat, cela ne te suffit pas à préserver tes biens et ton honneur. Et on sent, car le professeur Saint-Qal, on m'a ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a pas de divinité de n'être adoré en dehors d'Allah. Et le professeur Saint-Qal, c'est le messager d'Allah, et d'accomplir la prière. Donc cela montre que, qu'après la double attestation, c'est une obligation pour toi d'accomplir la prière et de t'acquitter de la zakat. Donc certains savants, comme je vous ai dit tout à l'heure concernant Mas'alat Tarik al-Salat, celui qui délaisse la prière volontairement par paresse. Donc certains le rendent mécréant. Et il s'appuie sur ce hadith-là. Comme je vous ai dit tout à l'heure, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « Al-ahd al-ladhi baynana wa baynana as-salat »« Faman tarakaha faqad kafar »« Wa bayna al-shirki wa al-kufri »« Tark as-salat » Entre le polythéisme, as-salat. « Faman tarakaha afwan faqad kafar »
comme était rapporté le hadith d'Ali ibn Abi Talib, entre le polythéisme, la mécréance et la prière, il y a le fait de la délaisser. Celui qui la délaisse a certes mécru. Donc eux, ils viennent avec des arguments solides pour attester, donc les savants, que celui qui délaisse la prière avec paresse est un mécréant. Et s'appuie également sur ce hadith-là. Mais d'autres savants, donc, ne sont pas de cet avis-là. Eux, ils prennent l'avis que, comme quoi ce n'est pas un mécréant. Ça, c'est l'avis de l'imam Malik, al-Shafi'i ou Abu Hanifa. Et c'est également l'avis de le Cheikh al-Albani, parmi les contemporains dans son livre, Hukm Tariq al-Salat. Eux, ils stadilloun des adillas okhra, comme le hadith al-Bitaqa, etc. Le 9e hadith. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به ففعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاري ومسلم. Ce neuvième hadith, pardon, qui concerne, donc qui est le premier hadith qui a été rapporté par Abu Huraira. Donc Abu Huraira, اختلف العلماء في تسميته على 30 قول. Il y a des savants qui disent qu'il y a plus de 30, ils ont divergé concernant le nom de Abu Huraira sur plus de 30 noms. Donc chacun est venu avec un nom différent. Mais le nom qui a été adopté et le plus connu, malgré donc de nombreuses divergences, c'est Abdurrahman ibn Sakhr. Abu Huraira, comme nous avons vu tout à l'heure, c'est comme Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu. Il a la kunya d'un animal. Abu Hafs, c'est le père du lion. Omar ibn al-Khattab, il avait des enfants et pourtant il s'est appelé avec une kunya d'un animal. Et Abu Huraira, c'est pareil. Il a pris la kunya d'un animal. C'est quel animal? Abu Hafs, le lion. Abu Huraira. Le chaton. Abu Huraira, le père du chaton. Donc, Omar ibn Khattab, il avait pris la kunya de Abu Hafs, le père du lion. Et Abu Huraira, Abdurrahman ibn Sakhr, il a pris la kunya d'un animal, le père du chaton. Car il avait toujours un chaton dans les manches de son qamis, le thawb. Toujours. Et les gens le voyaient tout le temps. Et le professeur Asselin l'a nommé Abu Huraira, le père du petit chaton, avec lequel il jouait souvent. Donc Abdurrahman ibn Sakhr, c'est le nom le plus connu, malgré une divergence concernant son nom. Et il fut parmi les plus grands récitateurs de Ahadith, les mémorisateurs et les rapporteurs, pardon, de Ahadith. Abu Huraira, il s'est converti à l'islam le jour de la bataille de Khaybar. Il s'est converti le jour de la bataille de Khaybar, que nous avons déjà expliqué, l'année 7 de l'Hijr, donc juste avant Fath Makkah, qui était l'année 8 de l'Hijr. Et il a participé ensuite à cette bataille, à la bataille de Khaybar, l'année 7 de l'Hijr. Et suite à cela, il a accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout le temps et ne l'a plus jamais quitté jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était l'un de ceux qui étaient les plus proches du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari dit qu'il y a plus de 800 personnes qui ont pris la science de Abu Huraira. Il y a plus de 800 personnes qui ont pris la science de Abu Huraira. Et al-Dhahabi, l'imam al-Dhahabi, sahib Sayyid A'lam al-Nubala, qui est l'un des élèves du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, comme Ibn Kathir, rapporte également dans son livre Sayyid A'lam al-Nubala qu'il a rapporté 5374 hadiths. Donc Abu Huraira, c'était parmi ceux qui ont rapporté le plus de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 5374. Donc c'est énormément de hadiths. Donc, Al-Bukhari donc, a rapporté ce hadith-là et l'imam muslim également, fi kitab al-fada'il. Donc, l'imam muslim, il rapporte ce hadith d'Abi Huraira fi kitab al-fada'il. Donc, ce hadith, ce que je vous ai interdit,
Regardez la différence entre al-awamir, comme ils ont dit les savants ici, wa al-nawahi. Ma nahaytukum anhu fashtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Al-nawahi wa al-ashya al-muharrama tujtanab mutlaqan. Les interdits dans l'islam et les choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont interdit doivent être délaissées de façon absolue, mutlaqan, sans condition. Amma al-awamir faf'alu minha mastata'tum. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala karim, Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux. Il nous a facilité. Ad-dinu yusra wa laysa usra. C'est-à-dire que la religion est facilitée et ce n'est pas une difficulté. Regardez dans ce hadith d'Abi Huraira, il a dit, les interdits, abstenez-vous-en, éloignez-vous-en de ces interdits et délaissez-les. Par contre, les obligations, wal-awamir et les ordres, vous devez les faire en fonction de vos capacités. C'est-à-dire l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, les choses obligatoires sont conditionnées par la capacité, contrairement à l'interdiction. Tu ne délaisses pas l'interdiction en fonction de ta capacité. Non, tu dois la délaisser totalement, de façon absolue. Ce n'est pas « je vais essayer d'arrêter la cigarette, mais si je peux. Je vais essayer d'arrêter l'alcool, mais je n'y arrive pas. » Non, tu dois la délaisser de façon absolue et tout de suite. Alors que les obligations, tu les fais en fonction de tes capacités. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, « salli qa'iman fa'in lam tastati' fa'jalisan ou qa'idan fa'in lam tastati' fa'ala jam. » فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيدًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Celui parmi vous qui est malade ou en voyage, qu'il reporte le jeûne à des jours ultérieurs. Allah subhanahu wa ta'ala nous a facilité. Le jeûne, si tu ne peux pas le faire, tu es en voyage, tu n'as pas la capacité de le faire, tu es malade, tu reportes à des jours ultérieurs. La femme qui allaite, la femme qui est enceinte, elle rattrape à des jours ultérieurs. La personne âgée qui ne peut plus jeûner, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne jeûne pas et elle doit sortir une compensation tous les jours. Donc même concernant la femme qui est enceinte et la femme, ça nous l'avons vu, dans les cours avant Ramadan, il y a une divergence entre les savants concernant le fait qu'elle sorte une fidya, une compensation, ou est-ce qu'elle rattrape les jours ultérieurs. Donc j'avais dit, par rapport à la femme qui est enceinte, qui allaite, si elle a peur pour sa personne, elle doit rattraper les jours ultérieurs. Si elle a peur pour son fœtus ou pour son bébé, elle doit sortir al-fidya. Et si elle a peur pour les deux, elle doit rattraper des jours ultérieurs. Donc quand c'est pour l'enfant, tu sors une fidya. Donc c'est l'un des deux avis les plus proches concernant les gens de science. Ça, nous l'avons déjà évoqué dans le livre concernant le jeûne. Le pèlerinage, c'est pareil. Si tu n'as pas la capacité financière d'aller au pèlerinage, la capacité physique, tu ne fais pas. La zakat, si tu n'as pas le nisab, tu n'as pas le haou, tu ne sors pas zakat. La prière, si tu ne peux pas prier debout, tu pries assis ou sur le côté. Les ablutions, si tu ne peux pas les faire, tu as les ablutions sèches, tayammum. Allah subhanahu wa ta'ala t'a facilité. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala en fonction de tes capacités. Les ordres, si tu ne peux pas les faire, tu fais ce que tu peux. Alors que les interdictions, tu dois les éviter sans faire référence à la capacité. Donc les interdictions sont de deux types. Il y a les interdictions catégoriques. Ceux qui sont catégoriques. Al-haram, al-mutlaq, c'est la consommation de porc, la fornication, le vol, la consommation d'alcool, la bête morte, etc. Le mensonge, les jeux de hasard, tous les interdits qui sont clairs, sans équivoque. Et il y a les interdictions à caractère détestable. Al-haram ou al-makruh. Cela, c'est préférable de le délaisser. L'interdit, lorsque tu le commets, tu commets un péché,
Et lorsque tu le délaisses, tu es récompensé. Alors que al-makruh, lorsque tu le fais, tu n'es pas forcément châtié, mais si tu le délaisses, tu es récompensé. Wal-karaha عند السلف كانت تقتضي التحريم. Chez les pieux prédécesseurs anciens, beaucoup, al-karaha, les actes détestables, pour eux, c'était des choses interdites. Donc ce hadith-là, qui évoque les choses interdites et les commandements. Donc la capacité, ici, elle concerne uniquement les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, il dit poser trop de questions. Donc poser trop de questions et trop d'objections envers les prophètes ont été une cause de la perte de leur peuple auparavant. Car ils posaient trop de questions aux prophètes, comme le faisaient les Qurayshites, comme les faisaient les Juifs lorsque le prophète est arrivé à Médine. Ils posaient beaucoup de questions, mais sans croire. Les Qurayshites étaient toujours en train de poser des questions. Le prophète, c'était plus pour tester, ensuite pour rigoler sur le messager d'Allah ou se moquer de lui. Mais ils ne posaient pas de questions pour croire. Donc le but de poser une question, c'est pour mettre en pratique, pour acquérir une science et de la mettre en pratique. Mais ne pas uniquement poser beaucoup de questions ou faire des objections, car ceci a été la cause de la perdition et de l'égarement des générations qui nous ont précédés. Ensuite, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين وقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطل سترا أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام 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 وملبسه حرام 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 وغذي بحرام بالحرام بالحرام وغذي بالحرام 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 فأنى يستجاب لذلك. Donc ça, c'est le deuxième hadith qui a été rapporté par Abi Huraira que l'imam al-Nawawi a cité dans l'ordre de l'Arba'in al-Nawawiya. Donc c'est le deuxième hadith d'Abi Huraira qui concerne la consommation de l'illicite. Et Abu Daoud, donc le grand savant, l'imam Abu Daoud, qui est sahib al-Sunan, il a comptabilisé ce hadith comme étant le quatrième de hadith autour duquel gravite l'islam. Donc lui, il avait cité quatre hadiths. Hadith al-awwal, hadith Omar ibn Khattab ibn al-Amal ibn Niyat. Le deuxième hadith, qui est hadith Aisha radiyallahu anha. Il avait également comptabilisé le hadith de Nu'man ibn Bashir. Et celui-là, le hadith concernant le décès de Abi Huraira. Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah subhanahu wa ta'ala est bon. Il est exempt de toute imperfection. Et il n'accepte que ce qui est bon. Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. Et Allah a ordonné aux croyants ce qu'il a ordonné aux messagers en disant « Ô messagers, mangez ce qui est permis et agréable et faites le bien, car je sais parfaitement ce que vous faites. » C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants de manger des choses pures. Ce hadith concernant le fait de manger le licite et les choses pures. Comme Allah est bon et accepte uniquement les bonnes choses, il a ordonné aux croyants de manger uniquement les bonnes choses comme l'ont fait les messagers avant eux. Ensuite, il a mentionné quatre choses qui vont faire que tu ne fais pas des choses licites et qui seront un obstacle pour l'acceptation de l'invocation que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses-là, si tu les fais et que ta nourriture n'est pas halal et que ta boisson n'est pas halal et que tes biens ne sont pas halal, tout cela seront une cause du rejet de ton invocation. Allah subhanahu wa ta'ala, donc il est bon. Il est exempt de toute diminution, de toute imperfection, de tout défaut. Et certains savants ont comptabilisé ce nom, هذا الاسم من اسماء الله الحسنى. Ils ont dit إن الله طيب إذن هذا الاسم من اسماء الله الحسنى. Et ça, c'est l'avis qu'a adopté Ibn al-Arabi, al-Maliki,
au Cheikh Ibn Uthaymin. Ils disent que ce nom-là, c'est un nom de Asma Allah al-Husna. Mais d'autres ont dit ça, c'est Sifa. Hadihi Sifa. Ou laysat isman min Asma Allah al-Husna. C'est-à-dire que c'est une caractéristique d'Allah subhanahu wa ta'ala et non d'un nom Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres encore, ils ont dit Hada Khabar. Khabar, c'est juste une information concernant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ni un nom, ni une caractéristique. Ou ils disent Al-Khabar awsa' min al-Asma wa al-Sifat. L'information concernant Allah subhanahu wa ta'ala est beaucoup plus vaste que les noms et les caractéristiques. Donc Allah est bon et n'accepte que ce qui est bon. La yaqbalu shar'an, il n'accepte pas de façon légiférée que ce qui est bon. Donc ce qui n'est pas bon et qui est faux, wal batil, yaradduhu Allah subhanahu wa ta'ala. Comme a dit Allah ta'ala, la yaqbalu Allah salat ahadikum idha ahdatha. وقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم عفوا لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتوضأ. الله سبحانه وتعالى n'accepte pas la prière de l'un d'entre vous lorsqu'il était en état d'impureté jusqu'à ce qu'il se purifie. Donc là, Allah سبحانه وتعالى n'accepte pas la prière jusqu'à que tu sois en état de pureté. Comme il n'accepte pas de toi tes mauvaises actions, comme il n'accepte pas de toi les choses illicites. Donc dans ce hadith, cela concerne uniquement également les paroles, les actes, donc qui ne sont pas licites, ou également les croyances, toute parole, tout acte qui ne sont pas bonnes ou pures, Allah subhanahu wa ta'ala ne les accepte pas. Ensuite, il a évoqué l'homme qui voyage, الرجل الذي يطير السفر. Donc, السفر هنا من أسباب استجابة الدعاء. L'invocation, c'est une cause parmi les causes de l'acceptation de l'invocation. Comme vous savez, Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'invocation du voyageur et l'invocation de l'opprimé et l'invocation du gêneur. Donc le voyageur, c'est bien qu'il fasse des invocations car elles seront acceptées d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abi Huraira rapporte un hadith du Prophète sallallahu alayhi wa sallam comme a dit hadith Abi Huraira marfou'an ثلاث دعوات يستجاب لهن لا شك فيهن دعوة المظلوم. Trois invocations qui seront acceptés et ne seront pas rejetés par Allah subhanahu wa ta'ala. Da'watul madroum, l'invocation de l'opprimé. Wa da'watul musafir. Da'watul musafir, c'est-à-dire l'invocation de celui qui voyage. Wa da'watul walid li waladihi. Rawahu Muslim. L'invocation du père pour son enfant. Donc l'invocation du père pour son enfant, elle n'est pas rejetée, elle est acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, comme vous le savez tous, l'invocation du jeûneur, elle est acceptée. Le fait d'avoir des habits normaux, le fait de lever ses mains, lever ses mains pour invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, yarfa'u yadayhi ila as-sama' wa yad'u Allah subhanahu wa ta'ala, hada sabab min asbab istijabat ad-du'a. C'est une cause de l'acceptation de l'invocation, de lever sa main. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait l'ad'iya, ad-du'a kana yarfa'u yadayhi. Des fois, il levait sa main jusqu'à qu'on voyait donc le blanc de ses aisselles. Wal ilhah, ala Allah bi takrir, ikrar, lafd al-rububiyya. Le fait d'insister. Quand tu demandes quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala, d'insister fortement et d'employer toujours le terme de rububiyya. Ya Rab, tu dis Ya Rab, Ya Rab, akhfir li, Ya Rab, arhamni, Ya Rab, ishfini, Ya Rab, adkhalni jannat al-firdaus, Ya Rab, aghnini. Etc. Tu dis d'aïmen, Ya Rab. Waïda sa'alaka ibadi anni fa'inni qarib. Lorsque mon serviteur, me questionne, m'invoque, je suis proche de lui. Waïda sa'altum fas'allah. Lorsque vous questionnez Allah subhanahu wa ta'ala. Ad'ouni astajib lakum. Ad'ouni astajib lakum. Invoquez-moi, j'exaucerai vos invocations. Waïda sa'alta fas'allah. Lorsque tu questionne uniquement Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, raf'u al-yadayn mashru'a fi al-du'a. Surtout fi al-safa ou al-marwa. Également, inda ramy al-jamarat. Lorsque tu lapides les stèles, c'est bien d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a une hala que tu ne lèves pas les mains. Fi khutbat al-imam. Lorsque l'imam est en train de faire le sermon du vendredi, tu ne lèves pas les mains. Et tu ne lèves pas les mains après la salat. Ceci n'est pas légiféré. Mais fais sa'i, fi
رمي الجمرات entre l'adhan ou l'iqam, etc. Ceci est légiféré de lever les mains et d'implorer et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit, sa nourriture est haram. Cette personne-là, sa nourriture est haram. Sa boisson, elle est haram. Ses habits sont haram. Il lève ses mains et il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لَهُ أَوْ لِذَلِكَ C'est-à-dire que يُسْتَبْعَدْ أَنْ يستجاب له. C'est-à-dire que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, cela est très loin pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accepte son invocation. Donc le fait d'avoir du haram, des habits illicites, une nourriture illicite, une boisson illicite, cela sera une cause, un obstacle à l'acceptation de l'invocation de cette personne-là par Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxième hadith. نبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب سكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحاناته رضي الله عنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه دع ما يريبك ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Premier hadith dans Al-Arba'in al-Nawawi qui a été rapporté par le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, sept Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, wa rayhanatihi. C'est le petit-fils, donc c'est le fils de Ali ibn Abi Talib, le fils de Ali ibn Abi Talib de Fatima, radiallahu anhuma, et le petit-fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Ali ibn Abi Talib avait deux enfants, Al-Hassan والحسين. السبت signifie ici le fils de la fille. Sept, c'est le fils de la fille. والحفيد, c'est le fils du fils. Fils du fils. والسبت, c'est le fils de la fille. Donc on rapporte que le Hassan, il a des mérites plus que son frère le Hussein. Donc il a des mérites plus, était meilleur que le Hussein. Le prophète Hassan dit un hadith le concernant, certes, celui-là, ce fils-là, Al-Hassan, est un chef. Et Allah subhanahu wa ta'ala fera réconcilier par sa cause deux groupes de musulmans qui étaient en conflit. Donc par l'intermédiaire de Al-Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, il a fait, Allah subhanahu wa ta'ala a fait réconcilier deux factions parmi les musulmans qui étaient en guerre. Donc, contrairement donc Al-Hafid, comme je vous ai dit, c'est le fils du fils. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait prédit concernant Al-Hassan qu'il allait préserver le sang des musulmans. Donc, rappelez-vous, lorsque Ali ibn Abi Talib s'était opposé à Muawiyah, fi ma'arakat Siffin, le sang avait coulé entre les musulmans, entre les compagnons, radiallahu anhum, également Aïcha, et Ma'arakat al-Jamal, lorsqu'elle s'est opposée à Ali. Donc il y a eu ces deux batailles-là, et Al-Hassan, le fils d'Ali ibn Abi Talib, par sa cause, il a regroupé, parce que les musulmans étaient en conflit, étaient en guerre, il a regroupé ces deux factions-là par la suite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'avait prédit. Donc c'était une époque où il y avait beaucoup de troubles, à l'époque de Muawiyah, radiallahu anhu, et également Ali avant lui, radiallahu anhu. C'était une année de troubles. Ensuite, lorsqu'il y a eu cette réconciliation par le biais de Hassan ibn Ali, radiallahu anhuma, c'était ce qu'on appelait l'année de Al-Jama'ah, Amul Jama'ah, c'est-à-dire l'année de l'union. Les musulmans, alhamdoulilah, ils ont fini par s'unir alors qu'ils étaient en conflit, ils étaient en guerre, entre les partisans de Muawiyah et les partisans de Ali, radiallahu anhu. Donc, Al-Hassan, il était né la troisième année de l'Hijra. Et il est décédé l'année 50 de l'Hijra. Qu'est-ce qu'il a dit ici? On rapporte ce hadith du Hassan qui dit « Laisse ce qui est douteux pour toi. » Délaisse ce qui est douteux pour celui qui ne l'est pas. » Celui-là, il rejoint un petit peu le hadith qu'on avait vu de Nu'man ibn Bashir. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور متشابهات. T'as des choses qui sont claires, licites, qu'il faut faire, et des choses qui sont illicites que tu dois t'abstenir de faire.
et entre eux, il y a des zones d'ombre, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Là, il rejoint un petit peu ce hadith. Lorsque tu as un doute concernant quelque chose, tu dois le délaisser par pour celui qui n'a pas de doute ou il n'y a pas de doute. Donc, les choses douteuses, tu dois les délaisser pour les choses où il n'y a aucun doute. Donc, ils ont dit, les savants, al-wara. Donc, l'ascétisme consiste, consiste à abandonner les choses qui peuvent nous nuire ici-bas et dans l'au-delà. Que ce soit parmi les choses licites ou les choses illicites. Al-wara, même Aïcha radiallahu anha, elle rapporte un propos concernant cela, concernant al-wara, l'ascétisme. Elle dit, Aïcha radiallahu anha, concernant al-wara, c'est une chose que beaucoup de gens n'accordent que très peu d'importance. C'est une chose donc qui est beaucoup délaissée, al-wara. Al-wara, c'est le fait de délaisser les interdits et de délaisser des choses permises dans cette vie-là de peur de tomber dans l'interdit. C'est-à-dire que même délaisser volontairement des choses permises afin, comme faisait le salaf, qu'il y ait un cran ou qu'il y ait une barrière entre toi et les choses interdites. Comme ça, tu as une longue barrière pour ne pas tomber dans l'interdit. Eux se préserver en délaissant même volontairement certaines choses permises de peur de tomber dans les choses interdites. Donc, al-wara, il y a deux catégories. Il y a le fait de délaisser le wara qui est obligatoire, le fait de délaisser une cause qui peut te mener à l'interdit ou une cause qui peut te faire causer des péchés. Donc, cela, c'est une obligation pour toi de délaisser cette cause-là. Si tu fais une cause qui peut te mener au péché, min al-wara, al-wajib, c'est le fait de délaisser cette chose-là, qui peut être une cause qui peut te mener au péché. Ou al-wara al-mustahab, c'est le fait de délaisser une chose qui peut te mener aux choses, une cause, de délaisser une cause qui peut te mener aux choses détestables. Et ou al-mutashabiyat, et les choses équivoques, comme c'est le cas dans ce hadith. Dès que tu vois des choses équivoques ou des choses détestables, min al-wara al-mustahab. Le mieux, c'est de le délaisser. C'est recommandé de le délaisser pour te préserver, te prémunir de ne pas tomber dans les choses interdites. Donc là où tu as un doute. Donc délaisse les choses qui te font douter, où tu n'es pas tranquille, où ton cœur n'est pas apaisé. Pour des choses où ton cœur sera tranquille et apaisé. Deuxième hadith. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره. Ce hadith là, douzième hadith, donc et troisième hadith de Abu Huraira, l'arba'in, ce hadith il est bon. Donc il n'est pas jugé sahih, mais hassan. Hassan, dans la terminologie des sciences du hadith, le hassan, il a un degré en dessous du hadith authentique. Donc, par exemple, tout ce qui est dans le Bukhari ou le Muslim, c'est authentique. Et dans le Sunan, par exemple, Sunan Tirmidhi, Abi Daoud, Ibn Majah, Al-Nasa'i, vous avez des hadiths hassan, bon, et d'autres hadiths authentiques, sahiha, et vous pouvez trouver des hadiths aussi, da'ifa, qui sont faibles. Celui-ci, il est bon, c'est-à-dire que les savants le considèrent comme acceptable. On prend ce hadith-là, on le met en pratique. Et le hadith sahih, et lui, il a une qualité supérieure. C'est-à-dire que tous les rapporteurs de hadith dans le hadith, tous les narrateurs dans le hadith sahih sont tous dignes de confiance. Tous, ils ont mémorisé le hadith, ils ont une excellente manière de rapporter le hadith et sans aucune faute ni diminution dans leur apprentissage ou dans le fait de rapporter les hadiths. Mais celui qui rapporte des hadiths bons, on veut dire que son apprentissage ou sa mémorisation est moindre que les rapporteurs de hadiths qui ont rapporté des hadiths sahiha. Au niveau de la mémorisation, ils sont juste en dessous.
Ça, c'est un hadith qui est très important, fait partie du bel islam, du bon comportement, des caractères nobles, de délaisser ce qui ne te regarde pas. Donc cela montre que la religion d'une personne, Islam al-Mar, elle peut être défectueuse ou elle peut être imparfaite en fonction des erreurs qu'elle peut adopter. Donc le musulman doit toujours s'efforcer de parfaire son comportement. Et pour avoir un très bon comportement, d'appliquer ce hadith-là. Donc, fait partie du beau comportement, du bel islam, du croyant, de délaisser ce qui ne te regarde pas. Et ce hadith a également été rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta, d'après Az-Zuhri. Mais le hadith qu'a rapporté l'imam Malik, le Muwatta, d'après Zuhri, il est morsel. On dit qu'il est morsel, c'est-à-dire qu'il y a une coupure dans la chaîne de transmission. Ibn Abd al-Barr, lui, il mentionne ce hadith-là, que Zuhri a deux chaînes de transmission concernant ce hadith. Donc l'un qui remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'autre jusqu'au compagnon. C'est-à-dire qu'il y en a un qui est marfou et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et il y en a un qui est morsel. Et dans tous les cas, le hadith, il est bon. Et c'est un hadith qui est également un fondement parmi les fondements de l'islam. Et ces rapporteurs, donc, sont tous dignes de confiance, mais avec un degré de mémorisation qui est moindre que ceux qui ont apporté les hadiths sahiha. Donc, est-ce que, là, maintenant, lorsqu'on s'appuie sur ce hadith-là, et dire, fait partie du bel islam de délaisser ce qui ne regarde pas, est-ce que ordonner le bien, lorsqu'on voit quelqu'un commettre une mauvaise action, un péché, une chose qui est désapprouvée par Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on doit délaisser cette personne-là et on dit que cela ne nous regarde pas, car on rentre dans ce hadith-là, on appuie ce hadith, fait partie du bel islam de l'homme, de délaisser ce qui ne nous regarde pas. Ou on dit que ordonner le bien et réprouver le mal ne rentre pas dans ce hadith-là. C'est-à-dire, c'est quoi, non? Ordonner le bien et réprimer le mal ne rentre pas dans ce hadith là. Ça concerne par exemple les choses mondaines, les choses qui ne te regardent pas. Mais ordonner le bien et réprimer le mal, cela te concerne. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Celui qui voit un acte détestable, répréhensible, il doit le corriger avec sa main. Il l'a mis à stader, Fabi les salis. Il l'a mis à stader, Fabi Kalbi, Wadalika Abraham Iman. Donc cela montre également que la foi, elle augmente et elle diminue. Ça, c'est un fondement des gens de la Sunna et du consensus. Comme quoi les paroles, les actes font partie de l'Iman et également que la foi, elle augmente et elle diminue, contrairement à ce qu'on dit Al-Mu'tazila ou Al-Khawarij. Donc, vous faites partie de la meilleure communauté, vous êtes sortis pour ordonner le bien, c'est-à-dire la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ordonner le bien et désapprouver le mal. Donc lorsque tu vois un mal, tu dois le corriger avec ta main si tu peux, si tu ne peux pas, avec ta bouche, et si tu ne peux pas, avec ton cœur. Mais rentrer dans les choses qui ne te regardent pas, telles que des choses qui sont propres à une personne, ou des choses mondaines, cela, tu dois les délaisser. Et cela fait partie du bel islam, du croyant. Al-Abi Hazat al-Anas ibn Malik, radiallahu anhu, khadimi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال, la yu'minu ahadun, hatta uhibba l'akhi, la uhibbu l'asi, Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Hadith très important, ce troisième hadith qui est le premier hadith qui a été cité par Anas ibn Malik ici. Anas ibn Malik qui est le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Hamza. Donc sa kunya était Abu Hamza, khadim al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dès que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine, il était à son service pendant toute sa période à Médine jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
pense. Et le père d'Anas, par contre, lui, il a quitté Médine pour le Chem, car il détestait le prophète sallam. Il détestait le prophète sallam. Une fois, il est venu avec son oncle, il a demandé à le récupérer. Mais Anas ibn Malik préférait la compagnie du prophète sallam à son propre père et à son oncle. Et c'est pour cela que la mère d'Anas, lorsqu'il était petit, elle l'a amené directement au prophète sallam pour qu'il puisse le servir le prophète sallam et rester près de lui. Donc, il avait à peine 10 ans. Il a dit, sa mère a dit, voici Anas, il est venu te servir. Donc, Anas avait à peine 10 ans. Et le prophète sallam avait beaucoup invoqué pour Anas, radiallahu anhu. Et on dit que c'est l'un des compagnons qui a vécu le plus longtemps. Et on dit que c'est l'un des derniers compagnons qui est mort. Donc, il est mort à 115 ans. Donc, il a vécu 115 ans parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué pour lui qu'Allah lui donne une longue vie et une grande progéniture. Donc, on dit qu'il a vécu 115 ans, d'autres 120 ans. Il est mort en 93 de l'Hijr. C'est parmi l'un des derniers compagnons qui est mort à Bassora, en Irak. Il est mort à Bassora. Et on dit qu'il a eu beaucoup d'enfants suite à la doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il rapporte, Anas ibn Malik, il rapporte, il dit que j'ai eu 125 enfants. On rapporte de lui, il dit qu'il a eu 125 enfants. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait invoqué en sa faveur pour qu'il ait une longue vie et une très grande progéniture. Donc il a eu 125 enfants, dont uniquement 3 filles. Il est mort en l'année 93, donc à Bassora. Et il a apporté, ou rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, 2200 hadiths. Donc là, il dit, nul d'entre vous ne sera véritablement croyant que s'il aime pour son frère, ce qu'il aime pour lui-même. Donc cela signifie que le musulman, il peut avoir une foi complète et une foi amoindrie. Donc le mu'min, lahu al-iman al-kamil wa lahu asr al-iman. Al-iman al-kamil, c'est la foi complète. C'est celui qui n'a pas commis les grands péchés. Il aura une foi complète. Et celui qui a commis des péchés, min al-kaba'ir, on dit lahu asr al-iman wa laysa lahu al-iman al-kamil. Donc lorsque tu es un croyant et tu as évité les grands péchés, falakal iman al-kamil ay al-iman al-mutlaq wa idha adhnabta wa irtakabta kabira min kaba'ir adh-dhunub falaka asr al-iman ay mutlaq al-iman. Tu as le fondement de la foi, mais tu n'as pas une foi complète, car ta foi a diminué avec les actes de désobéissance. Et parmi les fondements des gens de la sunna et du consensus, c'est de croire que les actes font partie de la foi, contrairement au murji'a, qu'ils ne font pas rentrer les actes dans la foi. Et tu dis que les actes augmentent avec les actes, la foi augmente avec les actes d'obéissance et diminue avec les actes de désobéissance. Contrairement donc aux Khawarij et les Mu'tazila. Eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que Murtakab al-Kabira, kafir, c'est un mécréant. Il est sorti de l'islam et il est sorti de la foi. Et le jour de la résurrection, il est en enfer pour l'éternité. Il est ni musulman dans cette vie-là, ni mécréant. Et le jour de la résurrection, il est en enfer pour l'éternité. Et nous, on dit, à la sunna al-jama'a, on dit que le croyant, sa foi, elle augmente et elle baisse. Mais il ne sort pas de l'islam, il ne sort pas du cadre de la foi. On dit que c'est un croyant avec une foi qui est amoindrie. Et ce hadith montre que l'importance d'aimer pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même. Donc, la yu'minu ahadukum, yaqulu al-ulama, hada nafi kamal al-iman al-wajib, wa laysa asl al-iman. C'est-à-dire que si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu n'aimes pas pour toi-même, cela, ça enlève kamal al-iman, c'est-à-dire la foi parfaite. Tu n'auras pas la foi parfaite et complète si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu n'aimes pas pour toi-même.
Parmi les fawaïd de ce hadith, donc, que l'iman yazid wa yanqus. Donc, la foi, elle augmente, elle diminue. Comme cela, nous l'avons vu dans le hadith, l'iman, thalathun, ou bid'un wa sab'un sha'ba, ou la'alaha qawlu la ilaha illallah, ou adna imanatul adha'a min al-tariq, ou al-haya sha'batun min al-iman. Donc, la foi est 73 branches. Le plus haut degré, c'est de dire la ilaha illallah, et le plus bas degré, c'est de débarrasser les objets encombrants sur la route. Et la pudeur fait partie de la foi. Ça commence à fatiguer. On en fait encore un ou deux, après on va arrêter, Charles. C'est bon pour vous, hein? Vous n'êtes pas trop fatigué? Vous êtes tous en forme? Vas-y. علي بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل الدم لأمرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس الثيب النفسي الثيب الزاني الثيب 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 النفس الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لقومه المفرق ثيب ثيب الزاني ثيب الشدة ثيب الزاني والنفس بالنفس التارك لدينه المفرق للجماعة رواه البخاري ومسلم. Ce hadith qui a été rapporté par Abdallah ibn Mas'ud. Le deuxième hadith qui a été rapporté ici dans Arba'a an-Nawawi de Abdallah ibn Mas'ud. Donc nous avons également le hadith 8 où il faisait également rapporté par Abdallah ibn Mas'ud. Non, c'est le hadith 3. Apporté par Abdallah ibn Mas'ud. C'est concernant la création. Le 4. Non, le 4. Donc ça, c'est le deuxième hadith qui a été rapporté par Abdallah ibn Mas'ud. Il dit, donc ici, il évoque le sang du musulman qui est sacré. Donc le sang du musulman, ses biens et son honneur sont sacrés. Sauf dans trois cas. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donc a fait exception de ces trois cas-là. Al-thayyib al-zani. Donc c'est la personne âgée qui fornique. La personne âgée qui fornique, il y a une exception le concernant. Wal-nafs bil-nafs. Nafs bil-nafs, c'est al-qisas, c'est-à-dire la loi du talion. Et celui qui délaisse al-jama'a. Donc celui qui a apostasié. Allah subhanahu wa ta'ala a fait exception de ces trois personnes-là concernant l'honneur, les biens et le sang. Donc le sang du musulman est sacré, sauf ces trois cas-là, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, donc, on a fait exception. L'islam, il est venu avec cinq nécessités. L'islam, il est venu avec cinq nécessités. La première, c'est la préservation de la religion. Hifd ad-din. Donc ceux qui se doivent donc de préserver leur religion. Donc ça, c'est la première nécessité. Donc, préserver sa religion. Ensuite, préserver la vie. Hifd an-nafs. Donc, préserver sa vie et préserver les biens. Donc, on préserve la religion, les biens, la vie et la préservation de la raison. C'est-à-dire que préservation de la raison en évitant toute substance enivrante ou autre. Donc, tout ce qui va enivrer, qui va altérer les fonctions du cerveau sont interdites. Et l'islam est venu pour préserver la raison. Comme il est venu pour préserver la vie, donc avec la loi du talion. Et la préservation du bien, comme le fait de couper la main du voleur. Et la préservation de l'honneur, fouetter toute personne qui accuse faussement de fornication, une personne sans quatre témoins. Donc l'islam est venu avec ces cinq préservations-là. Justement, pour donc avoir l'intégrité de l'islam avec la préservation de la religion, de la raison, en t'écartant de tout ce qui est interdit et qui peut nuire à ta santé, donc de la vie et de l'honneur. Donc la religion, la préservation de la religion, de la raison, la vie, les biens et de l'honneur. Donc ça, c'est cinq nécessités qui sont importantes en islam, qui visent à établir la justice.
Donc la sécurité et l'équité, l'équité au sein de la communauté musulmane. Donc là, il donne aussi la définition du musulman. Donc le musulman, c'est celui qui atteste qu'il n'y a pas de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Et donc, il doit le dire de façon haute. Il doit le dire à voix haute avec la langue. Et il doit le dire avec le cœur également. Donc en l'attestant avec le cœur, en le disant avec la langue. Donc cela te fera rentrer dans l'islam. Et tes biens, ton honneur et ton sang sera préservé. Ensuite, Mohammed, dernier hadith, inshallah. النبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليعمل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم. Donc concernant ce hadith 15, également rapporté par Abi Huraira, Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Vous trouvez beaucoup dans les versets du Coran et même là dans le cas échéant comme ce hadith là, celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier. Alladhina yu'minuna billahi wal yawm al-akhir. Vous avez beaucoup de versets dans le Coran, ceux qui croient en Allah et au jour de la résurrection. Al-Khattabi wa Ibn Abi Zayd al-Qarawani, dont j'ai fait l'explication hier, al-Muqaddima, donc Ibn Abi Zayd al-Qarawani, qu'on appelle le petit Imam Malik, disent que ce hadith est un fondement parmi les fondements du bon comportement. Donc, asr al-adab. Asr al-usul al-adab. Donc, c'est un fondement dans le bon comportement du musulman. Et tu as décrit comment on doit te comporter lorsque tu vas parler, lorsque tu reçois un invité et comment te comporter avec ton voisin. Il y a 4 hadiths ici qui sont cités par Abu Huraira concernant le comportement. Il y a celui-là, il y a nul d'entre vous, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ça c'est également un hadith concernant le bon comportement. Il y a celui que tu as récité, al-husni. Islam al-mar et tarkou malayani fait partie du bel islam de l'être humain, du musulman, de délaisser ce qui ne te regarde pas. Et puis il y a hadith, celui qui croit au jour du jugement dernier, c'est-à-dire ce hadith-là. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut aw liyasmut. Et il y a le dernier hadith, le 4e, c'est ne te mets pas en colère. Lorsqu'un compagnon est venu voir le prophète, il lui a dit, conseille-moi, il lui a dit, ne te mets pas en colère. En colère 3 fois. Comme vous le savez, nous l'avons vu tout à l'heure, les piliers de la foi sont au nombre de 6. Là, certains savants ils disent pourquoi uniquement ces 2 piliers ont été cités dans ce hadith-là. Pourquoi il ne dit pas, par exemple, « Yu'minu billahi wal yawm al-akhir wal malaika wal kutub wal rusul » Ils disent parce que le fait de croire en Allah subhanahu wa ta'ala sous-entend de forcément de croire en ses anges, en ses messagers et en ses livres. Car si tu crois en Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois forcément croire qu'Allah t'a envoyé des prophètes, qu'Allah t'a fait descendre des livres et qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'envoie ses anges. Également, à savoir que nous avons des anges donc, qui sont à droite et à gauche, qui notent toutes nos actions. Il ne prononce pas une seule parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à inscrire. Donc celui qui croit au jour du jugement à Allah et au jour du jugement dernier doit dire des bonnes paroles. Ou qu'il se taise. La parole est d'or, le silence est d'or, la parole est d'argent. Ça c'est un proverbe, mais c'est également une parole des pieux prédécesseurs. Ils utilisaient cela pour dire que la parole était d'argent alors que le silence était d'or. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
Il dit également dans un hadith, celui qui me garantit ce qu'il y a entre ses deux lèvres et entre ses deux cuisses, je lui garantis le paradis. Et comme il avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Mu'adh, rappelez-vous, donc ça c'est un hadith qui est un peu plus loin dans l'Arba'in al-Nawawiyya, il avait dit que les gens, ya Mu'adh, il a dit amsik alayka hala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris sa langue, il a dit garde cette langue-là, garde cette langue-là. Et Mu'adh ibn Jabal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, allons-nous avoir des comptes à rendre concernant notre langue? Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Takilatka ummuka, ô Mu'adh, que ta mère te perde. Nous serons ressuscités, nous serons traînés sur nos visages et sur nos nez uniquement le jour de la résurrection et précipités en enfer à cause de ce qu'ont récolté nos langues. C'est-à-dire à cause des dégâts des mots. Tout ce que tu disais sur terre avec ta langue, à cause de cela, tu seras ressuscité et traîné sur ton visage et précipité en enfer à cause de cela. Donc les dégâts de la langue, ce sont des dégâts énormes. La langue, c'est celle qui provoque le plus de péchés dans la partie de notre corps. Elle ment. La langue, qu'est-ce qu'elle fait? Le mensonge, shahadat al-zour, wal-kadib, wal-namima, wal-ghiba, wal-sab, wal-shit, wal-kufr. Donc toutes les paroles mauvaises de la langue, telles que prononcer le kufr, la mécréance, le polythéisme, mentir, médire, calomnier, taxer les femmes chastes et vertueuses de fornication, et également colporter des mauvaises paroles, insulter les gens, tout cela sera une cause de ta perdition le jour de la résurrection et qui te fera précipiter en enfer. Donc beaucoup des actions de nos langues nous fera précipiter en enfer. Le professeur Hassan me dit, l'être humain, l'abd, il va prononcer une parole, une seule parole, qui va le faire précipiter en enfer d'une distance plus loin ou d'une distance de l'est à l'ouest. Hadith muttafaq alayh. C'est-à-dire une seule parole que tu vas dire peut te faire précipiter en enfer de la distance de l'est à l'ouest. Donc qu'ils disent des bonnes paroles ou qu'ils se taisent. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour du jugement dernier, qu'il soit bienfaisant envers son voisin. Donc le voisin, tu as le voisin al-ba'id ou al-qarib. Donc le voisin qui est, il y a deux types de voisinage. Le voisinage proche et le voisinage qui est un peu plus loin. Ou tu as le voisinage qui est carrément collé avec ta maison. Donc celui-là, tu dois être bienfaisant avec lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, lorsque Jibril venait le voir, il ne cessait de me recommander le voisin jusqu'à ce que j'ai cru qu'il allait hériter de moi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait en hadith, vous ne serez la yu'min, il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas épargné par ses nuisances. Également, comme vous le savez, le hadith de la femme qui rentre en enfer à cause de son mauvais comportement. Al-mar'atu allati kanat tasum an-nahar wa taqum al-layl. Faqala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam innaha fi an-nar. Une femme qui passait ses journées à jeûner et la nuit en prière. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Elle est en enfer. Vous savez pourquoi? Parce que les compagnons ont posé la question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit kanat tu'dhi jiranaha. Elle avait un très mauvais comportement avec ses voisins. Donc le mauvais voisinage peut te faire précipiter en enfer, même si tu adores Allah subhanahu wa ta'ala jour et nuit. Regardez, subhanallah, elle jeûnait le jour, elle priait la nuit, et cela l'a fait rentrer en enfer. Wallahi billah. Ça fait, ne crois pas que tes bonnes actions vont te suffire pour t'amener au paradis. Tu peux lire le Coran tous les jours, tu peux prier la nuit, jeûner le jour, et tu rentreras en enfer. Tout cela parce que tu n'avais pas un bon comportement avec tes voisins.
Et dernière chose pour finir, Inch'Allah, al-dhaif, l'invité. On se doit dans l'islam, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala, le jour du jugement dernier, d'être bienfaisant avec son invité. L'invité est de deux types, comme le rapportait le savant. Il y a l'invité qui est le voyageur. Donc c'est lui qui vient de loin. Comme qui? Comme moi. Moi, je suis votre invité. Je viens de loin. Donc prenez soin de moi. Et il y a vous. Vous êtes également des invités qui venez à côté. Donc il y a l'invité, par exemple, qui vient de la même ville que toi. Et tu l'invites chez toi. Il y a l'invité qui vient de loin. Donc celui qui vient de loin, tu dois lui donner plus d'attention que celui qui est proche, forcément. Et concernant l'invité qui vient de loin, donc جمهور الفقهاء يرون أن إكرامه سنة مؤكدة. Le fait d'être bienfaisant envers lui, c'est une sunna mu'akkada. Très recommandé de prendre soin de lui, c'est-à-dire en l'hébergeant. C'est quoi ikram al-dhaif? Tu dois l'héberger 3 jours. Donc 3 jours en lui donnant le gîte et la nourriture. Hada sunna mu'akkada. Hada qawl jumhur al-ulama. Et l'imam Ahmed yara al-wujub. Wa ba'd al-tabi'in yarawna anna ikram al-dhaif wajib. يوم وليلة. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, lui, et certains tabi'in disent que l'invité, tu l'héberges une nuit et un jour. Tu lui donnes à manger pendant une journée, tu l'héberges une nuit. Ça, c'est une obligation. Le deuxième et le troisième jour, c'est une sunna mu'akkada. Ensuite, il y a une divergence concernant les al-fuqaha, les juristes, concernant ceux qui viennent. Ceux qui descendent dans une ville et ceux qui descendent dans une qaria, c'est-à-dire à la campagne. Ils disent que ceux qui descendent dans une ville, tu n'es pas obligé de les accueillir parce qu'ils peuvent aller à l'hôtel et peuvent aller au restaurant. Donc ce n'est pas une obligation pour toi de le faire. Par contre, ceux qui viennent dans un village, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas d'hôtel, il est obligatoire pour toi de les loger. Donc 3 jours. Donc la majorité des savants disent 3 jours. Et 3 nuits, le gîte et le couvert, comme on dit, la nourriture et l'hôtel. Voilà donc concernant le dhaif. Et nous avons fini avec cela. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu ta'ala a'la wa alam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.